D'abord, je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui sont souscrites à notre nouvelle chaîne, votre frère. Grand merci à vous. Ça fait du bien de voir depuis quelques jours beaucoup de personnes venir, beaucoup de personnes s'y abonner. C'est un réel plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous avons une nouvelle chaîne qu'on appelle Votre Frère. Votre Frère est une chaîne qu'on a créée en redondance à celle-ci pour garder, préserver ses vidéos au cas où celle-ci était tue. Et aussi, en plus de ces vidéos, nous avons une nouvelle série de mini-documentaires qui seront publiés là-bas. D'accord, des mini-documentaires, c'est-à-dire on sera dans votre ville peut-être. On a commencé déjà sur Kinshasa. On sera peut-être dans votre ville prochainement, faire un petit mini-documentaire un peu dans la ville, parler aux gens, voir votre marché, voir votre quartier, parler au commun des humains, parler aux entrepreneurs, expérimenter un peu leurs difficultés. Et aussi une surprise. Pourquoi je vous dis, je ne sais même pas pourquoi je le fais. C'est censé être une surprise. Allez sur la chaîne Votre Frère et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. J'ai reçu d'innombrables messages. Aujourd'hui, je répondrai à un message, à une question que j'ai reçue. Et je ne vais pas répéter nécessairement ce qui a été dit, parce que ça nous prendra beaucoup trop de temps. Je compte sur votre intelligence pour comprendre un peu de quoi on parle, de quoi il s'agit. Ce n'est pas très compliqué. Donc, je répondrai à mon frère sénégalais, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Ouais, c'est pas très poli, je suis vraiment désolé. En l'expliquant un tout petit peu dans mon contexte à moi, en rapport avec ce que tu as écrit, je me souviens, il y a très longtemps, je travaillais dans un call center. Un call center, c'est quoi en français? On appelait des clients, on recevait des appels téléphoniques venant des clients qui se plaignaient de leurs difficultés et on essayait de trouver des solutions. Et pendant ce temps, j'avais un salaire qui n'était pas nécessairement adéquat. Hein. Ce n'était pas nécessairement le salaire que je voulais. Et je n'étais pas heureux, c'est évident. Et je me disais, si seulement je pouvais avoir un peu plus d'argent, je ferais beaucoup plus de choses. Si seulement je pouvais avoir un peu plus d'argent, je mettrais de l'argent de côté. Si seulement je pouvais avoir un peu plus d'argent, je commencerais un autre business de côté. Si seulement je pouvais avoir un peu plus d'argent, j'apporterais un plus à telle ou telle personne, à mes parents, à ma famille. J'achèterais un petit terrain. Je pourrais faire ceci, je changerais ma... Si seulement je pouvais avoir un peu plus d'argent, je pourrais résorber mes problèmes. Contrairement à l'évidence, quelques temps après, mon chef m'appelle pour me dire « Bon, écoute, tu as travaillé bien pendant cette période, on va t'augmenter une bonne tranche d'argent. Et comme tu as été l'élément le plus actif, donc la personne qui a fait le plus d'appels téléphoniques, on va augmenter le salaire. » C'était génial. Je me disais « Ouf, enfin, je pourrais faire ce que je désirais faire, ce que j'étais incapable de faire plus tôt. » Et aussi, par coup du hasard, un ami à moi voyageait, il avait un tout petit business, il m'a laissé la charge, donc la responsabilité du business, en parallèle avec ce que je faisais comme travail. Donc je pouvais avoir, en plus de mon nouveau salaire, de l'argent venant de l'autre business. Curieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de changer ma vie comme je le désirais, comme je l'anticipais, au lieu d'améliorer ce que j'avais autour de moi, améliorer mon existence, au lieu d'apporter un plus dans ma famille ou faire des choses substantielles, acheter un terrain, tout ce que je me disais, à la fin du mois, avec un peu plus d'argent, beaucoup plus d'argent d'ailleurs, j'étais plus en difficulté que je ne l'étais quand je n'avais qu'un seul travail, avec un salaire très petit. Je crois qu'on se retrouve là maintenant. Il arrive à beaucoup de personnes, très souvent, de vivre mieux quand ils étaient dans une position de faiblesse, c'est-à-dire financièrement, ils avaient un peu moins d'argent, ils avaient l'impression de vivre beaucoup mieux, d'avoir moins de charges, moins de difficultés, de respirer. Okay? Vous avez maintenant plus d'argent que vous en aviez dans le passé. Un salaire plus grand ou d'autres sources de revenus. Mais curieusement, au lieu de faire mieux, au lieu d'améliorer, au lieu de vivre comme vous le désiriez, vous réalisez qu'en réalité, vous avez un peu plus de difficultés. Vous avez l'impression de suffoquer sous la pression des charges, des factures et de tout le bazar, n'est-ce pas? Vous vous êtes fait des promesses, je ferai ça, si j'avais un peu plus d'argent, je changerais ma vie de cette façon, mais vous n'y arrivez pas. Alors pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? On a plus d'argent que dans le passé. Mais on est en difficulté. On est plus en difficulté qu'on était dans le passé. Généralement, c'est pourquoi. Généralement, quand vous avez plus d'argent, vous ne faites rien. Ça veut simplement dire que vos charges ont augmenté. Et ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, quand on n'est pas préparé, quand on a plus d'argent, on rajoute soi-même ses dépenses. C'est-à-dire, quand on a un peu plus d'argent et qu'on aime les téléphones, désormais on se dit, ah, ce téléphone-là que je ne pouvais pas acquérir à l'époque ou il y a quelques mois, aujourd'hui, c'est génial, c'est beau, je peux l'avoir. Vous dites, ah, ces chaussures que je ne pouvais pas avoir, c'est Louboutin, oh là là, je peux me faire un peu plaisir. Enfin, on va tous mourir, c'est pas grave. Vous dites, bon, écoute, aujourd'hui je suis vraiment fatigué, je suis épuisé, j'ai pas le temps de cuisiner, on va prendre des emportés.
demain encore, le jour qui suit. Bah écoute, c'est pas aussi grave que ça, trois fois c'est pas grave. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On accumule les dépenses. On se dit, bon, la voisine a des difficultés, j'ai quand même un peu d'argent, je pourrais aider. Je ne suis pas en train de vous interdire d'aider les gens, ok? Il ne faut pas mal me comprendre. Mais on ne donne que ce qu'on a. Si vous avez des projets de vie, des projets d'avenir, vous souhaitez créer une société, une petite entreprise, et vous avez besoin d'argent pour ça, ça ne tombe pas du ciel. Vous ne pouvez malheureusement pas finir les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas votre responsabilité. Ne vous mettez pas la corde au cou parce que vous êtes incapable d'apporter une réponse positive à la demande d'une personne. Malheureusement, c'est ça. Vous savez, des fois, je marche dans les rues, je vois des personnes en difficulté incroyable. Et des fois, on est censé dire, ok, on n'a rien vu. Malheureusement, c'est ça. Oui, des fois, on aide quand on peut. Mais quand vous voyez un petit garçon en train de pleurer parce qu'il a besoin d'argent, vous donnez. Vous marchez encore un peu, vous voyez un homme en difficulté, vous donnez. Vous voyez ensuite une femme. Finalement, vous faites quoi? Finalement, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous restez au même endroit. L'objectif, c'est d'avancer. Ce n'est pas de faire semblant. C'est-à-dire, ce n'est pas d'acheter des emportés, ce n'est pas d'acheter des Louboutins, d'acheter une nouvelle montre, d'acheter une nouvelle voiture pour vous sentir bien. L'objectif, c'est améliorer et de manière permanente votre situation. Quand vous gagnez un peu plus d'argent dans votre business, votre entreprise commence à générer de l'argent. Il y a des moments où il faut attendre avant d'investir ou d'acheter de nouveaux équipements ou de changer de lieu de location. Oui, vous gagnez un peu plus d'argent, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut changer votre bureau et aller vous mettre en ville? Peut-être pas encore. Peut-être qu'il faut encore rester là où vous êtes, dans votre petit studio, dans le coin bizarre de la ville, là où vous avez fait le paix d'argent que vous faites aujourd'hui. Vous commencez déjà à gagner, vous voulez changer. Ça ne se fait pas immédiatement, on comprend tout à fait. C'est bien de pouvoir investir dans son entreprise. D'ailleurs, comme l'a dit mon maître, quand vous gagnez de l'argent, réinvestis dans l'entreprise. Tu gagnes encore, tu réinvestis dans l'entreprise. Il doit y avoir un pourcentage pour l'entreprise chaque mois. Coca-Cola investit 3 milliards de dollars, je crois, par an en marketing. Qui ne connaît pas Coca-Cola? C'est bien, il faut investir dans son entreprise. Mais à un moment, il faut attendre. Il faut attendre un peu plus longtemps. Il faut attendre que les choses se stabilisent vraiment. Un semblant de stabilité ne veut pas dire une stabilité constante. Ce n'est pas la même chose. Quelquefois, il faut attendre avant de changer de bureau, changer d'office ou de changer de location. Vous avez l'impression que votre argent ne suffit pas parce que vous avez déménagé. Vous n'êtes plus dans l'endroit où vous étiez, votre maison simple et normale que vous aviez. Désormais, il faut afficher l'image d'une personne entreprenante. Vous avez changé d'endroit, vous payez, je ne sais pas moi, 500 euros, entre parenthèses. Maintenant, vous payez 800, 700 euros. Les 300 sont partis pour seulement dormir. Il faut se discipliner. Vous avez un peu plus d'argent et vous n'avez pas l'impression d'avancer. C'est parce que vous avez multiplié vos dépenses. Regardez attentivement, vous remarquerez que vous dépensez dans des choses sans importance. Des choses dans lesquelles vous ne dépensiez pas dans le passé. Vous achetez plus des unités, plus des mégabytes, vous passez plus du temps sur Instagram, vous prenez des photos professionnelles, vous n'en preniez pas dans le passé peut-être. Vous allez trois fois par semaine au salon de coiffure, chose que vous ne faisiez pas dans le passé. Avez-vous vraiment besoin de ces choses? Quand vous gagnez un peu plus d'argent, prenez le temps de respirer. C'est-à-dire, je gagne plus d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'immédiatement je dois aller faire quelque chose. Quand vous gagnez plus d'argent, en votre jour de salaire, ça ne veut pas dire que le même jour de salaire, il faut sortir, il faut aller manger, il faut aller rouler carrosse et faire du bien. Il faut s'habituer à sa nouvelle position. C'est ça. Vous voyez, pour les personnes connues ou les personnes célèbres, souvent on reçoit beaucoup d'attention venant des gens dans les rues. Au départ, ça nous monte là, okay? Quand on commence à peine, on a la grosse tête. Mais avec le temps, en tout cas pour la plupart, on s'y habitue. On comprend que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est bien qu'on soit apprécié par des gens. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans toute autre chose. C'est la même chose. Quand vous avez de l'argent, il faut s'habituer à son nouveau revenu. Ce n'est pas un moment de s'exciter ou de se surexciter. Ou d'acheter ce que vous ne pouviez pas acheter dans le passé. Restez tel que vous avez toujours été. Économisez votre argent. Faites 5 ans sans dépenser des bêtises. Vous pouvez le faire. Okay? Le plus important, c'est avoir du cash. Ce n'est pas faire semblant d'avoir du cash. Le plus important, c'est avoir du cash. Ce n'est pas de faire semblant d'avoir du cash. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Christian Dior. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous avez de l'argent, vous avez du cash flow. Si vous n'êtes pas encore à ce point-là, investissez en vous, dans la lecture, dans l'intelligence, dans la connaissance. Comme Warren Buffett a dit, plus tu connais, plus tu gagnes. Et c'est vrai, plus tu as de la connaissance sur le marché, plus tu as la connaissance sur la clientèle, la connaissance sur la demande, plus tu gagnes de l'argent. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Le lien sera placé à l'endroit qu'il faut. Vous avez des questions, balancez-les, mettez un commentaire. Je lis vos commentaires, comme je le dis. C'est à partir d'un commentaire que j'ai pu répondre à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.
À très bientôt. Au revoir.